Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, donc on est le 5 décembre, pour une petite vidéo sur deux jeux que j'aime bien pour mon fils, que ma belle-mère lui a offert. Donc il a eu le petit ours brun à son anniversaire, et ce jeu-là, donc In the Box Animaux, pour la Saint-Nicolas. Donc je vais vous les ouvrir et vous les présenter. Je vous pose. Donc on va commencer par petit ours brun. Voilà. Donc les deux jeux sont à partir de 2 ans. C'est l'âge que mon fils a. Donc dans le petit ours brun, il y a 4 planches. Celle-ci. 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 Et celle-ci. En fait, à chaque fois, dans les planches, il y a 4 éléments qu'on peut retirer. Comme par exemple, il y a le tablier, la tête, le dessin. Et le camion. Voilà, et le but c'est que l'enfant puisse remettre tout seul les éléments en place. Donc dans un premier temps, faire un par un, ensuite essayer de tous les mélanger. On peut également les mettre dans le sac et l'enfant retrouve à l'intérieur, faire pioche dans le sac et essayer de retrouver quel élément va avec quel personnage. Donc là, il suffit juste à l'enfant de remettre les éléments en place. Voilà, donc c'est des petits puzzles incastrables, mais je l'ai trouvé super sympa sous ce format. Voilà, donc là c'est petit ours brun. Hop, excusez-moi, je le range tout de suite pour éviter le bazar. Et le deuxième, In the Box Animaux. Donc pareil, je vous repose. Le temps d'ouvrir la boîte. Donc c'est une boîte qui s'ouvre sur le haut. Et à l'intérieur, il y a une boîte en ferraille, comme ceci. Et quand on l'ouvre, ça ne veut pas. Quand on l'ouvre, il y a plein d'éléments en aimanté à l'intérieur. On les retire tous, on les met sur la table. On referme la boîte. On va juste retourner les éléments. Donc, par exemple, on va faire le gris. Alors, en fait, le but, c'est de reconstituer les animaux. Donc là, pour l'instant, mon fils, je vous avoue clairement, qui s'amuse juste à mettre les aimants comme ça sur la boîte sans reconstituer d'animaux. Mais ça viendra au fur et à mesure. En même temps, il l'a eu que ce week-end. Voilà, on a un petit lapin. En fait, on voit que derrière la boîte, il y a en tout 41 pièces à l'intérieur. On peut faire différents animaux. De ce côté, on a le hibou. Ici, on a le lapin. Bah, vous voyez, j'oublie la petite queue et les petites joues. On a genre le castor à côté, je dirais. On l'a vu, non, et celui-là. On va dire le raton laveur. Donc voilà, donc c'est plutôt sympa. J'ai trouvé l'idée originale. Et comme mon fils adore tout ce qui est aimanté, ben c'est parfait. Donc voilà, donc les deux petits jeux du moment. Si le Père Noël ne sait pas quoi ramener, je pense que ça peut être des jeux assez sympas. Et qu'on ne voit pas tous les jours en fait. C'est pour ça que c'est l'avantage. Donc petit ours brun, le loto encastrable. Et In the Box Animaux de la marque Jeco. C'est une marque que j'aime beaucoup. Voilà. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à demain. Bye bye.